Salut à toutes et à tous les amis, c'est Frankie, on se retrouve pour une nouvelle petite découverte de jeu PlayStation 5 en mode level 1, je le précise parce que c'est très important, et aujourd'hui nous allons mettre la main sur ce Forspoken. Alors pour tout vous dire, et encore une fois, je suis toujours transparent avec vous sur chaque fois, à chaque fois que je fais une vidéo, en tout cas j'essaie de l'être, hein, même si certains me reprochent de ne pas l'être, en tout cas j'essaie de l'être, sachez que ce Forspoken, je vais le découvrir en même temps que vous, ça va pas changer, on va y aller comme d'habitude en mode découverte, mais que j'ai quand même eu de gros échos sur le côté pas terrible de ce jeu. Alors, je vais même aller au-delà. Beaucoup ont été déçus. Le jour où je l'ai récupéré dans ma ludothèque, là où je peux louer mes jeux, un de mes amis qui l'a eu m'a dit « C'est vraiment pas terrible, tu vas t'ennuyer. » Voilà, donc déjà, il m'a mis vraiment « pouf, boum !» Et j'ai eu l'occasion de voir des avis assez négatifs sur le jeu. Donc voilà, je pars avec un passif de rumeurs qui laisse pas penser que ce soit très très bon. Voilà, c'est encore une fois purement subjectif, mais on va se faire notre propre opinion. Rapidement, on va regarder le pitch derrière la jaquette. Choisissez votre camp. Arraché on ne sait comment à la ville de New York, Frey Holland se retrouve coincé sur les terres étranges et traîtresses d'Ardatia. Sa quête du chemin de retour l'entraînera au cœur de la corruption où elle devra affronter des créatures monstrueuses, se mesurer aux puissantes tantas et découvrir des secrets qui éveilleront quelque chose de bien plus profond. Bon, le pitch, voilà. A priori, traverser un monde ouvert, donc ce serait un open world, à vérifier tout de même. Voyager dans un univers à la fois beau et cruel, combattre avec un arsenal de sorts personnalisables. Bref, on va voir ce que ça va donner, comme d'habitude. On va juste... Il y a des paramètres. On va rappeler les paramètres qu'il y a. Difficulté... on va tout laisser. Je vais rien toucher. J'ai pas envie de m'embêter. Paramètres d'affichage. Bon, c'est ça que je veux faire. Je vais mettre priorité à la qualité. Les dialogues sont en français. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Allez, on va lancer le début. On va se faire... je sais rien. On va faire une demi-heure. 40 minutes. J'en sais rien du tout. On va vite être fixé. Priorité au scénario. Exploration du monde ouvert. Conseil aux joueurs qui souhaitent surtout vivre le déroulement de l'histoire, qui souhaitent découvrir les moindres recoins du jeu, aux habitués aux actions. Allez, on va se mettre en scénario, on va pas s'embêter. Priorité à la qualité, ray tracing. Alors, ray tracing. Allez, on va se mettre au taquet. De toute façon, vous verrez la vidéo en 4K. L'objectif, c'est de vous mettre véritablement au maximum de ce qu'il est capable de mettre dans le. Pardon, cinématique. Excusez-moi. Ça peut être une famille, des amis, des convictions. Sa maison. Qui que l'on soit, il existe des choses qu'on se doit de protéger. Mais que faire quand le monde lui-même est hostile? Maintenant, je le sais. J'aimerais remonter le temps pour me donner la réponse. Mais je n'étais pas prête à l'entendre. Madame la juge Maya Bird présidera le dossier de l'État de New York contre Alfred Holland. La prévenue est accusée de tentative de vol. Et tu vas plaider ? Non coupable, votre honneur. Je vois. Retirez-lui ses menottes. Bien, pour commencer, permets-moi de te rappeler que t'en es pas à ta première incartade. Loin de là. Ah, d'accord. Ok, particulier. Le juge qui parle, qui tutoie une personne, c'est assez particulier. En général, il y a toujours un petit mouvement. Bon, bref, on s'en fout. Lire le document de droite. Ah, de droite. Un nourrisson trouvé dans le près du tunnel Holland. Rien de tel que de bons souvenirs. Ah, c'est peut-être elle, en fait. Le document du milieu... Antécédent judiciaire, larcin, vol au premier degré, vol avec effraction. Ça me met pas en valeur. Ok. Lire le document du gauche. Diplôme, lycée, détecteur. J'avais pas vu ça depuis un bail. Ok. Bon, y a pas d'année. Tu fais quoi, frère? J'ai vu qu'il y avait pas d'année. Vol au premier degré. Le 20 juin, mais y a pas c'est d'année. C'est vraiment toi, ça?
Non, c'est que j'avais besoin d'argent pour... Laissez tomber. Tôt ou tard, il faudra bien que tu assumes la responsabilité de tes actes. Est-ce que tu connais la loi contre les récidives multiples, aussi appelée loi des trois prises ? Vous avez pas le droit. J'ai agressé personne. Si, toi-même. Tu as déjà eu 2 condamnations pour vol. Avec celle-là en plus, on arrive à un total de 3. Ça suffirait à te faire enfermer pour très longtemps. Tu as tellement de... Potentiel ? Alors j'ai bien mieux à faire de ma vie ? Et je suis promise à un bel avenir ? J'allais dire que tu as tant de rage et d'amertume en toi que je sais même pas si t'arriveras à t'en sortir du tout. La vérité blesse. Mais, comme les fêtes approchent, je te fais un cadeau avec un peu d'avance. Tâche de pas le gâcher. Je te relâche sous condition, à savoir 120 heures de travaux d'intérêt général. Merci. Vous le regretterez pas. La prochaine fois que tu seras devant moi, je serai pas si clémente. Compris ? Bien. Tu peux y aller. Fred, une dernière chose. Bon anniversaire en avance. Il n'est jamais trop tard pour mettre tes talents au service des autres. J'ai eu chaud. Cette juge m'a sans doute sauvé la peau. J'aurais pas 2 fois cette chance. Hé, excusez-moi, votre portable. Mince alors. Oh, eh bien, merci beaucoup. De rien. Ça arrive à tout le monde. Vous me sauvez la vie, croyez-moi. Passez de bonnes fêtes. Oh, joyeuses fêtes. Je dois retrouver Homer. La pauvre, elle doit avoir faim. Homer. Ah ben voilà, ça y est, on joue. Par contre, c'est bizarre, on commence là. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Ça joue ou pas ? Un nouvel objectif vient d'être ajouté. Excusez-moi. Vous pouvez consulter vos objectifs dans la section journal du menu. Allez y jeter un œil. Section journal du menu. C'est où ? Ouvrir le journal. Là. Une journée parmi d'autres, retournez à votre appartement, c'est juste... ok. Il faut que je retourne à mon appartement. Ok. Je dois rentrer directement. Alors, voyons voir un peu en termes de gameplay. Et de réel technique. Alors, ça c'est de la neige, pas d'empreinte. Bon, ça c'est... Bon, on s'en bat le steak un peu, mais... par contre, j'appuie sur tous les boutons, il se passe que dalle. Hein. Il se passe absolument rien. Pardon, excusez-moi madame. Il se passe rien du tout. Alors voyons voir un peu. Est-ce que c'est visuellement, est-ce que c'est joli? J'ai mis alors, l'option ray tracing activée. Je vois pas de reflet nulle part pour le moment. Est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit pour mettre le ray tracing en valeur? Ah attendez, là il y a de l'eau. Est-ce que le ray tracing... Je déteste ce froid. Il faut que je me mette au chaud. Ouais. Y a pas de vrai. Alors attendez, je vais où là? Je vais quand même essayer de suivre la trame scénaristique de ce jeu. Pour ceux qui savent pas, j'adore Noël. Pardon, excusez-moi. J'adore Noël. On peut rentrer dans les trucs là ou pas? Non, on peut pas. Ah, close, c'est écrit en gros en plus. Ok. Alors, on va où après? Hop là, il faut qu'on tourne. Au coin. Ah, la cinématique reprend. Salut! Au revoir. Oh, merde. Oh, frère! Tu pensais qu'on te retrouverait pas? Tiens, Lisa!
Lisa? Sérieux? C'est pas elle, Lisa? Elle, c'est Chrissy! Oh. Faut dire, t'as pas vraiment une tête à t'appeler Lisa. Où est-elle? Oh, je l'ai pas, ok? Il y a eu des complications. J'ai pas choisi de me faire choper en train de tirer cette caisse, mais c'est comme ça. On n'aime pas les complications! Tu grilles tes dernières cartouches! Ouais, on m'a déjà dit ça aujourd'hui. Ramène la caisse ici. Ce sera difficile. Elle est à la fourrière. Et elle a quoi de si spécial, cette voiture? Ça, c'est pas ton affaire. Notre boss, Monsieur Jigan, est vraiment très fâché. Alors si tu la retrouves pas, un de nous va devoir le payer très cher. J'ai le droit de choisir qui? C'est ça, rigole. On laissera ton cadavre dans cette putain de ruelle, et je te promets, tu manqueras à personne. Personne. Ok. Ok, dis à ton boss, monsieur... Chicken. Jigan. Gitan. Jigan! Ok, Jigan. Dis-lui juste que j'ai besoin de temps. Mais, pour l'instant, voilà quelque chose. Dégage! Dégage! Putain! Frère! Si je te sauve, je vais déplacer ta salle en particulier! Et me balancer une brique! Putain, frère! D'accord, elle n'est pas là pour rigoler, hein. Elle est couillue, la petite. Échapper aux membres du gang. Si vous vous déplacez pas suffisamment vite, les membres du gang vont vous rattraper. Courir en utilisant L3. Ah, ça y est, ah oui, d'accord, ok. Donc il faut courir vite. Et il faut escalader, d'accord. Ok. Arrête ton cul ici, frère ! Pas question de faire demi-tour. Ça va ? Oh merde, je dois filer, je suis désolée. On va où? Un moyen de sortir. A priori, c'est par là. Ok. Où est-ce que tu te caches, frère? Ouais, ça sert à rien de fuir, tu sais. C'est plutôt joli, hein. Le peu que je vois là, c'est peut-être plutôt joli. C'est plutôt joli. Ok, faut que je passe par là. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sprint, petite, sprint. Elle cavale. On croit arriver les Yamakasi. Mais ils vont pas lâcher l'affaire? Une fois dans la rue, j'arriverai peut-être à les semer. Allez, grimpe! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu grimpes pas? Espèce d'idiote. J'y suis presque. Où est-ce qu'elle est? Hein? Alors, réponds-moi, bordel! Où est-ce qu'elle est? On te retrouvera, frère! Bon, franchement, c'est plutôt joli, hein. C'est vraiment pas vilain du tout. Bon, après, franchement, c'est pas forcément là où on attend le jeu, puisque, a priori, elle va aller dans un... Attends. Sur la jaquette, il est dit qu'elle a été enlevée... On sait comment. Arraché à la ville de New York, donc forcément, il doit avoir un monde un petit peu différent. On verra ce que ça donnera. Je dois aller où? Ah, je dois aller là. Ok. Ah, je mets. Il y a un peu d'inertie par contre dans le gameplay. Tu sens que quand tu appuies sur une touche de déplacement, tout, elle met du temps pour ramasser les wagons, quoi. Maison. Je dois faire quoi alors? Mécanique de jeu. Les archives recensent les écrits que vous avez obtenus, les personnes que vous avez rencontrées ou bien d'autres informations utiles. Vous pouvez y accéder à partir du menu principal. Ok. Ouvrir les archives. Consulter les informations utiles que vous avez recueillies. Attends, je comprends pas.
archive. Personnage. Ok, d'accord. Sur le point de fétiche événement. Donc ça, c'est moi. Lisa Ortega. Et c'est la méchante. C'est la méchante. La méchante. Ok. Et c'est quoi, ça? Le monde. New York, casier judiciaire. Ben, ça, c'est toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Archive, pardon. Didacticiel. Ok, ouais, d'accord. Ah oui, on était dans le didacticiel jusqu'à présent. D'accord, ok. Bon. 22 décembre 2018. Non, 18h, rien à voir. Je dois faire quoi? Chercher Homer. Homer. Qu'est-ce que c'est? Alors, là. Ah, peut-être qu'on va la faire venir avec des cacahuètes, je veux dire. Des croquettes. C'est tout ce que j'ai. Je me demande où est Homer. Tu vois qu'elle est partie dans le monde à caisse. Enfin, je vois pas. Non, n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Faudrait qu'il y ait un peu de cohérence quand même dans le scénario. Qu'est-ce que c'est? Alice in Wonderland. Alice au pays des merveilles. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Si seulement je pouvais trouver Sterrier et tomber au pays des merveilles. Ah ben, peut-être que tu y es arrivé, d'après ce que je comprends dans le jeu. On continue. Faut toujours que je trouve Homer Simpson, hein. Ah, j'ai un truc qui a été rajouté aux archives, c'est quoi? Alice Opéra. Le livre préféré de Frey, ok. C'est chaque fois que je vais trouver un truc, il va me dire ça a été rajouté aux archives. C'est pas un peu... Ah, attends, il y a un truc là d'abord. C'est quoi? Des chaussures. Mon super kiff. Ah, tu t'entendrais bien avec ma fille, toi. Si tu adores les chaussures. Je passerai ma vie à vous regarder. Alors, vous savez ce que ça me rappelle quand je vois ça? J'ai l'impression de voir Spider-Man Miles Morales. Sûrement parce que c'est à New York aussi, hein. Mais j'ai l'impression que ça me rappelle beaucoup ça. Mais bon, après, voilà, c'est sûrement New York qui fait cette impression-là. Je dirais dans la boîte, non, pas du tout. Tunnel Hollande, Alfred. Le tunnel Hollande, la grande scène de disparition de mes parents. Comment on peut abandonner un nouveau-né dans la rue? Au moins, c'était pas près du tunnel Queens Midtown, parce que là, voilà le nom de famille. Boîte à chaussures. Ah, oh, c'est vrai, il va pas faire à chaque fois qu'il y a des trucs. Ah, il y a un truc là. Ah non, c'est derrière. Il faut que je vois la porte. Non. Attends. Peut-être de ce côté. Oui, de ce côté. C'est plus de ce côté. Alors, je regarde s'il y a des trucs. Là. Ah, le chat, il doit être dans le sac. On va voir Homer. On va chercher Homer. Homer Simpson. Fais-y voir. Enfin repartir à zéro. A priori, non. Ça m'aura pris un bail. A priori, non. Il n'y a pas de Homer là-dedans. On n'a toujours pas trouvé le chat. Plan de fuite. Ok. Avoir assez d'argent. J'ai pas vu le reste de SMS. Une nouvelle entrée a été ajoutée. Bon, on s'en fout. Ah ben voilà. Voilà, donc en fait, c'est... Oui, il n'y avait pas grand-chose à chercher. Je vais venir toute seule. Ah, il a bien fait le chat. Oh, c'est gentil, mais mon anniversaire n'est que dans quelques jours. Tu sais quoi? J'ai bien failli l'oublier. J'ai vraiment pas arrêté. Oh, tu vois le genre. Oh, plein de trucs à régler. Sortir de tôle, affronter des dragons. Le répète pas, mais je suis une personne importante. Ah. Ouais, très importante. Elle sait qu'elle a ses pouvoirs, alors. Sûrement. Tout le monde a besoin de moi.
Tu sais quoi ? On va se tirer de cette ville, Homer. Loin de tous ces salauds, de cette merde, ouais, de tous ces keufs, je... J'ai ce qu'il faut pour tout recommencer. Ouais ? Je te promets qu'on ira là où on aime les chats. Même ceux comme toi. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Elle sait qu'elle a ses pouvoirs ou c'est des allusions qu'elle fait ? J'ai juste envie de soleil, d'un grand bol d'air. Oui, parce qu'elle a des pouvoirs. Hein. J'ai quand même vu les... Là, on le voit sur la jaquette quand même qu'elle a des trucs, dans les... des trucs électriques là, dans les mains ou je sais pas trop quoi. Demain. Plus qu'une nuit. Et on se tire d'ici. Je supporte plus cet endroit pourri. Tu m'étonnes, c'est pas très joli comme appart, hein. Ok. Ah, j'ai le chat qui ronronne, ça vibre dans la manette. Il y a la manette qui vibre, c'est rigolo. Ok, bon. Beaucoup de cinématiques pour le moment, pas beaucoup de gameplay, je suis désolé. Je voudrais pas que ça dure 3 heures non plus. On en est à quasiment 20 minutes déjà. Ah, qu'est-ce qui se... Oh, on dirait qu'il y a un truc qui brûle. Ça ressemble à du feu. Merde. Les flammes sont pas très bien faites. C'est pas très bien fait les flammes. Allez, faut qu'on sorte d'ici. Chercher Homer. Ok. Je dois d'abord trouver Homer. D'accord. On peut... Apparemment, il faut pas récupérer son pognon. Homer, viens mon bébé. Elle est où? Et je dois aller où, Micheline? Ah, je l'entends. À gauche. Elle est là. J'ai été guidé par le son. Elle est trop belle, elle est trop, trop vif le chat. Tout de suite. Non, non, non. Allez. Prenez le sac de sport. Bah ouais, récupère ta thune, ma petite. Putain, le sac. Oh. Non. Ah mais je croyais qu'il y avait un point là. Non. La fenêtre là. Ah bah c'est pas là où elle est arrivée tout à l'heure. Ok. Trouvé. Ah. Et pour finir, l'incendie qui a ravagé un bâtiment abandonné de Hell's Kitchen à Manhattan était bien d'origine. D'accord. Criminelle. Les flammes n'ont heureusement pas fait de victimes. La police soupçonne les membres d'un gang local. Mais les suspects restent introuvables. J'ai pas compris là par contre. 2 jours après ? Bizarre cette chronologie. Désolée, ma belle. Non, putain, elle a plus rien. Plus d'argent, plus rien. T'es mal embarqué, cette petite histoire. Hein. C'est mal embarqué, cette petite histoire. Hein. Fred, qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas l'air d'aller. Vous êtes allergique? Quoi? Au chat. Vous êtes allergique au chat? Non, j'adore les chats, mais... Tu as des problèmes? Écoutez... Elle aime les trucs mous. Que ceux en sachet. Pas la pâtée. Elle a besoin d'un endroit où dormir. Et d'une caresse de temps en temps. Et il lui faudrait un bain, mais bonne chance pour ça. Fred, qu'est-ce qui se passe? Elle s'appelle Homer. Promettez-moi de veiller sur elle. Promis. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce qu'il y a de mieux. J'ai besoin de temps pour régler quelques trucs. Mais je reviendrai la chercher. Seulement,
Ça risque d'être long. Frey, attends, tu sais, si t'as des ennuis, je peux t'aider. Joyeuse fête. Bon, Homer est à l'abri. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Fin de la course. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Je vaux mieux que ça. Non. Je vais arranger des choses. Récupérer Homer. Enfin sortir de... Ok, c'est un petit peu lent à se mettre en place. Bon, après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aime bien quand les intrigues sont bien posées. Ouais, pourquoi pas? Mais bon, l'inconvénient, c'est que sur une vidéo en mode level 1, ben forcément, il se passe pas grand chose pour le moment. Et l'escalier est long. Ah, voilà. Je vais où? Hop, par là. Par là ou pas? Oui, par là. Ok. C'est sombre, on voit que dalle. Ah, par là. C'est quoi de la corde? Il est magnifique. Ah, un bracelet. Oh, petit... Attends, bah, on va passer par là. Non, je peux pas entrer par là. Petite voleuse, va. Il doit y avoir un autre moyen. Petite chapardeuse. Par où je vais? Attends. Ça fait sombre. Alors, je suis désolé, j'ai un éclairage en pleine face, donc forcément, je vois pas du tout où je dois aller, où je vois très très peu de choses. C'est un peu sombre. Ouais, des petits reflets un peu par-ci, par-là, mais bon, c'est pas forcément... Non, vraiment, ah, c'est mieux. Personne à l'intérieur. Non mais sérieux? Qui a laissé un truc comme ça? Ok, on va récupérer le bracelet. Je crois que... Attends. Oh, c'est le bracelet qu'on voit sur la jaquette. Je serais pas étonné qu'il ait des pouvoirs magiques, ce bracelet. Alors, là... Alors pourquoi? Wow. Ça, c'est autre chose. Wow. Il va se passer un truc, là. Ça, c'est sûr. Il va s'enrouler autour de son bras ou... Ah non, pas du tout. Je pensais... Lien, nouvelle entrée ajoutée dans votre archive. Dans les archives, d'accord. Sauvegarder votre progression. Oui, on va sauvegarder. J'ai pas grand chose à sauvegarder pour tout vous dire, madame, hein, si je puis me permettre. C'est assez calme pour le moment, c'est... Ah ouais, là on est plus à New York, là, ça c'est sûr. Alors où on est là, madame? C'est moi le cheveu violet? Mais... C'est quoi ce... On dirait qu'elle a les cheveux violets. Bizarre, hein? Non, pas du tout. Ah, c'est le... D'accord, c'est le truc là qui fait violet. Ah, on dirait... C'est comme Stargate, en fait. C'est la porte des étoiles. Oh, tu bascules de monde en monde, en fait. Attendez. Stop. Merde. Reste. Oh. Non. Oh. Ah, par contre, c'est joli, mais regarde, il y a... Allez. C'est... Non, je trouve ça plutôt joli, hein, franchement. Mais... Ouais, j'ai du mal à... Elle est jolie, hein. Elle est vraiment très, très jolie, hein. On va reprendre la main. Alors, où je vais? Le voyage de Frey. Ok. Oh putain, pourquoi elle court pas, Ninette, là? Sortez de la pièce. Bah oui, tu crois que... Bah, si, j'aimerais bien savoir moi aussi où je suis. Allez, cours! Oh là!
Moi, je trouve ça plutôt joli. Hein. Je trouve ça plutôt joli. Un sacré coander. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On voyait les cheveux flotter. C'est plutôt bien fait. Ah, ouais, des petites textures qui pop, je sais pas si vous l'avez vu. Tiens. Qui est là ? Donc tu n'as pas atterri, enfin, pas sur ce que tu appelles la Terre. Joue pas à ça, connard ! Où est-ce que tu te caches ? Tu ne me vois pas. Pourtant, je suis là. Plus voyant, c'est impossible. Elle ne me voit pas. Mais t'es où ? Juste ici, à l'extrémité de ton bras. Tu sais, le truc que tu as vainement tenté d'enlever ? Enfin, tu es peut-être plus futé que tu en as l'air. Non. Si. Non. Si. Celui en train de me parler, là, c'est ce bracelet. Poucrav ? Poucrav ? Ça a un lien avec Entrave, c'est ça ? Bracelet Poucrav. Bracelet, c'est réducteur. Et ce son Krav, c'est laid. Non, je suis ton bras droit. Non, 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 c'est complètement barré. Mais c'est pourtant la vérité. Arrête, tu me fais mal. Aïe. Sérieux? Non. Mais ce que tu fais est parfaitement inutile. Oh, comment c'est possible? Eh bien, dis-moi, que faisais-tu avant que tout cela se produise, hein? J'allais... Peu importe. Ça fait presque une demi-heure, mais il s'est rien passé en une demi-heure, c'est dommage. Bon, après, ça se met tranquillement en place. Qui que vous soyez, stoppez ça. Alors, en théorie, si c'est un open world, ça devrait être relativement long. Tu ne peux pas partir sans moi. Et je fais quoi alors ? Je suis littéralement attaché à toi. Ok. Si on prenait le temps de s'asseoir pour discuter un peu tous les deux. Inspecte le château. On pourrait parler de ce qui nous intéresse dans la vie, par exemple. J'entends rien du tout. C'est juste un mauvais rêve. Attends, qu'est-ce que... Il y a un truc là, c'est quoi ? Ah, un truc derrière, c'est derrière. Je suis désolé, j'ai un méga contre-jour de... Attends, de l'espace là, et je vois pas du tout. Dommage qu'on puisse pas... Ben non, mais t'es bête ou quoi ? Pourquoi je... Il y avait un truc là, et pourquoi je... Peut-être, est-ce que je peux monter sur les toits ? A priori, non. A priori, non. Il y a un truc peut-être qu'il faut que je fasse là et que je ne sais pas faire. Je vois rien. Je vois que dalle. Alors vous, vous êtes derrière votre écran, vous voyez très certainement. Moi, je vois rien. Je sais pas pourquoi je suis bloqué. Bon, c'est pas grave. Allez, on va pas perdre deux heures. On va voir peut-être qu'il faut passer de l'autre côté. Je vois Nib. Ok. Ah! Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ouais, on descend. Excusez-moi. Attention de ne pas trébucher. Parce qu'en plus, tu vois les choses? Tout ça, c'est pas réel. Ok. Écoute-moi, frère. Mais bordel, d'où tu connais mon nom? Nous sommes unis. Unis ? Comment ça, unis ? C'est quoi ce délire ? C'est... Non, désunis-toi ! Désunis-toi maintenant ! Comme tu le vois, nous ne pouvons nous séparer l'un de l'autre. Et tu es la seule à m'entendre. Ça suffit ! Ça suffit, tais-toi ! Ah, c'est juste n'importe continue. Quoi ! Il faut... Je vais où, là ? Prêt, ah, j'ai pas vu. Il faut que tu m'écoutes. Non, ce qu'il faut, c'est que je trouve le moyen de rentrer. Je voulais fuir, mais c'était une erreur. J'étais dans un endroit pas terrible. Mais ça pourrait être encore pire ici. Tout est question de point de vue. C'est-à-dire ? Il n'y a pas de chemin. J'ai dû rater un passage. Ah oui, peut-être là, l'escalier. Ah oui, putain, ouais, je voyais pas. Il était tellement sombre. Ok. Silence. Quoi ? Cache-toi. Ah !
Mais c'est quoi ce putain de dragon? Il ne faut pas qu'il te voie. T'es sérieux? Alors qu'il est, cette créature est déjà loin. Et de plus... Quoi? Tu ne tiendras pas longtemps si tu ne manges rien. Bien. Et tu peux m'expliquer ton plan pour nous faire sortir? Je pense que le meilleur moyen serait d'escalader ce mur là-bas. Ah ben, je croyais que j'allais escalader moi, donc il me l'a escaladé tout seul, c'est cool. Ça fait gagner un peu de temps. Alors, je dois aller où, madame? Parce que là, on en est à... Ouf, plus d'une demi-heure. Je voudrais pas que ça dure trois plombes non plus. Les conversations avec Krav. Vous pouvez de temps à autre, vous arrêter pour revenir avec Krav sur les derniers événements que vous avez vécu, que vous aurez vécu. Lorsque c'est le cas, choisissez simplement le sujet qui vous intéresse pour lancer la discussion. D'accord, ok. Krav. De quoi voulez-vous parler avec Krav? Qu'est-ce qui es-tu exactement? Comment t'as fini dans cette boutique? Comment t'es devenu un brasseur? Allez, on va faire comme ça. On va commencer dans l'ordre. Bon, mais si on est en lien? Petite correction. Lié. Peu importe. Si on est coincés ensemble, il va falloir m'éclairer. Éclairer? Tu es qui? Je suis ce que tu vois. Génial. Et je suppose que tu m'en diras plus si je résous la... Et je peux pas marcher, en fait. Je ne te suis pas. Laisse tomber. Comment t'as fini à cette boutique? Qu'est-ce que tu faisais à rouiller dans cette vieille boutique? Bonne question. Je me la posais moi-même. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de visiter la Terre, je me trouvais ici, à Atia. Attends, quoi? Ça veut dire que c'est ta faute si je me retrouve ici? Je ne te permets pas. Je n'ai rien à voir là-dedans. Et pour tout dire, j'aspire autant que toi à savoir ce qui nous a amenés ici. Attends. Ok. Ok. Comment es-tu devenu un brasseur? Ça m'intéresse. Et est-ce que tu as toujours été... ça? Ça? Ça, ce... truc parlant. Dans mon souvenir... non. De quoi tu te souviens? J'ai voyagé. Mais je peux même pas marcher, c'est dommage. Je viens pas d'Atia. Tout comme toi, je suis un étranger. À mon arrivée, l'agitation régnait entre les Tanta. Les qui, quoi? Les Tanta. Les quatre femmes très puissantes qui régnaient sur Atia. Chacune avait une aptitude spéciale. Genre quoi? La magie, un truc comme ça? Si par magie tu entends la capacité à me transformer en objet inanimé, alors oui. Ok. Je vais lui montrer votre téléphone. Hein. Dommage qu'elle puisse pas marcher pendant que ça tchatche, c'est dommage. C'est un smartphone. Ça sert pour les textos, les appels, les jeux, les vidéos, les selfies. Et te fatigue pas à me demander ce que c'est. J'ai pas l'intention de te l'expliquer. Je sais ce qu'est un selfie. Vraiment? En fait, non. Qu'est-ce que cette chose peut faire d'autre? C'est rigolo. Il y a aussi un GPS qui, d'habitude, m'indique exactement où je me trouve. Et tu te trouves où? Quelque part entre le purgatoire et l'enfer. Il t'a indiqué ça? Absolument. Le téléphone de Frey, je peux le récupérer? Ouais, je peux pas le voir. Ouais, en fait, c'est que les objets, il te les montre. D'accord, ok. Et là, j'imagine que la conversation s'arrête. Ah. Voilà, par contre, pendant que les phases de dialogue, il pourrait faire avancer le personnage. Qu'on se retrouve pas à attendre 2 heures que le dialogue termine, quoi. Waouh. Bordel, mais c'était quoi, ça? Un oiseau. Talent, en quelque sorte. Il semble y avoir des habitations plus loin. Voyons si on peut s'y reposer.
Alors, Krav dispose de nombreux pouvoirs dont la capacité à vous guider vers votre prochaine initiation. Pour bénéficier de son aide, maintenez le croix directionnel vers le haut. Il vous indiquera le chemin. La preuve que les fonctionnalités ne sont pas disponibles. Dans ce cas, une icône vous l'indiquera. Ok. Et comment tu le sais? Tu es devin. L'étendue de mes compétences est presque illimitée. Je suis ton bras droit, tout de même. Mm-hmm. Bon, ça te dirait de marcher? Eh B. Alors, c'est ça, Tia? 360 mètres. Junoun? Mais tu m'as dit que... Atia, grande échelle. Junoun, petite échelle. Junoun est une partie d'Atia. Pigé, comme la ville de New York et l'état de New York. Exactement. Enfin, je crois. Je ne sais pas ce qu'est Newark. Non, pas Newark, New York. Il y a une différence? Environ 1 million. Alors, si j'appuie vers l'eau, il se passe quoi? Il se passe rien du tout, en fait. Hein, ah, si. Ce petit chemin-là. Ok. Bon. Si je puis me permettre, je le sens pas. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Salut, toi. Méfie-toi. Bah alors? Tu te caches? Ce n'est pas une bonne idée. Continuons d'avancer. Je pense qu'il a raison. Pourquoi cette pauvre bête te fait autant flipper? Quoi? Je le sentais pas. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Parce que les apparences sont trompeuses. Tu me le dis maintenant, il a pas de mâchoire. Merde! Alors, ne reste pas planté là. Je dois faire quoi? Battez le monstre. Mais avec quoi? La magie offensive, grâce au lien qui unit, Frey est le même de lancer de puissants sorts d'attaque. Appuyez sur R2 pour lancer une attaque magique rapide. Et maintenez pour vous préparer une deuxième attaque plus puissante. Maintenez R1 pour ouvrir le menu. Alors attends, on va tester. Oh là, ça va. Qu'est-ce que... Ne commence pas à paniquer. Oh, ça va. En fait, tu charges. Et sinon, tu envoies des petites attaques rapides. Ok. Ah, mais s'il y avait un truc, il fallait que je fasse R1, j'ai pas vu. Il m'a dit d'appuyer sur R1. C'est moi qui ai fait ça? Eh bien, avec mon aide, c'est certain. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est nous. J'ai déplacé un truc par la pensée? Notre connexion a peut-être réveillé certaines aptitudes qui... Je viens de déplacer un truc par la pensée? Nous venons de déplacer. Alors j'ai déplacé ce putain de truc par la pensée? Ouais, ok, c'est dans mes cordes. Je fais de la magie, je parle au bracelet, je tue des monstres, et tu sais quoi? Je vais bientôt voler. Là, tu en deviens ridicule. Oh, je vais trop loin. Ok, je m'arrête là. Si tu maîtrisais ces nouvelles aptitudes, avec mon aide, bien sûr. Mais t'as vu comment j'ai éclaté cette énorme bestiole? Oh putain, je vais massacrer du monstre! Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire? R1, c'est quoi ça? Salve protectrice, génère un bouclier, projette un flux régulier de pierre. Alors okay. Si je fais ça. Ah oui, tu gardes. Ouais, j'ai pas vu. Grave, vous protégez les attaques ennemies, qui réduit les dégâts que vous subissiez, il part automatiquement les coups. Puis c'est à vous de surveiller votre santé, il ne peut pas être sur tous les fronts. Par contre, j'ai essayé de faire une sorte de roulade pour esquiver, on n'arrive pas à esquiver les attaques, c'est un peu dommage. Trouver un endroit pour vous reposer. Bon, on va trouver l'endroit pour se reposer. Après, on arrêtera parce que on sera à quasiment 40. Oh, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas vu. Il se passe quoi avec les animaux ici? Ah, elle saute. Voilà, elle sautait pas tout à l'heure. Altéré, non? Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une telle mutation? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des trucs. La décoction de soins et de santé. Appuyez sur bas pour vous soigner. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qui a pu se passer ici? Ah, il se passe rien. Ah, si, elle s'est soignée. Ok. D'accord. Plein de trucs là, je sais pas ce que c'est. Ah, tu les ramasses automatiquement, ça c'est cool. Ah, il y a un truc là, c'est quoi? Alors attends, on va utiliser ça. Il m'a fait peur, putain. Il m'a fait peur, il m'est sorti dans le dos, là. Ah, saleté. Sale bestiasse. Hop, il y a encore un truc, là. Bon, on va pas tarder à arrêter, les copains. Je suis désolé, ne m'en veuillez pas, mais... c'est beaucoup trop long pour une vidéo en mode level 1. Il s'est pas passé grand-chose. C'est quoi le danger? Il y a un truc, là?
Voilà. Tu comptes t'échapper, petit scarabée, hein. Par contre, un truc qui est dommage, c'est que par contre, on peut pas figer l'ennemi pour le... Ah ! Tu crois que je l'avais pas vu ? Ben non, je l'avais pas vu. C'est ça le problème. On peut pas le prendre pour cible. Enfin, peut-être, mais j'ai pas trouvé comment faire. Et on peut pas esquiver les attaques. Quand tu as un ennemi, tu vois, dans certains jeux, tu fais rond et tu arrives à esquiver les attaques. Là, j'ai pas réussi. Peut-être que je me débrouille mal aussi, hein, c'est pas impossible. Hein. Ah, on récupère de l'XP quand on bat des ennemis, ça c'est cool. Attends, il y a un truc là. Ok. Peut-être un truc de l'autre côté, non. Bon, elle va pas tarder à arrêter. Waouh. C'est quoi cette drôle de sensation? On dirait qu'une sorte de miasme nuisible flotte dans l'air. Ok, je fais demi-tour. Mais ça ne semble pas t'affecter, non? Et puis, je doute que revenir sur tes pas ait un grand intérêt. Mais alors, ce miasme, c'est quoi exactement? C'est curieux, n'est-ce pas? Ce pourrait être la cause des particularités de la faune sauvage des environs. Alors, pourquoi ça n'a pas d'effet sur moi? Excellente question. Cela tient peut-être au choix fort judicieux de ton compagnon de voyage. Non, pas moyen. C'est sûrement pas ça. Juste un tas de ruines. Cet endroit a l'air abandonné depuis longtemps. Je me demande depuis quand c'est dans un état pareil. Nous devrions peut-être aller chercher ailleurs. Faites appel au pouvoir de Krav pour vous aider à repérer les ennemis et objets à proximité. Cette capacité est extrêmement utile pour découvrir ce qui peut être dissimulé. Et je fais comment pour faire activer? Ah truc. Ouais, c'est pas mal ça. Bon les amis, allez, je mets en pause, on va couper là. Je suis désolé, ne m'en veuillez pas, c'est juste que sinon ça fait beaucoup trop long. Alors il s'est pas passé grand chose dans cette vidéo. Difficile sur un petit level 1 où il se passe pas grand chose, où il y a beaucoup de cinématiques, de véritablement juger de la qualité de jeu. Visuellement, je trouve ça plutôt propre. Il n'y a pas grand chose à dire. Le gameplay est assez simpliste pour le moment. Un petit peu décevant, je trouve que... Enfin, c'est dommage, les phases de fight, où tu ne puisses pas esquiver les attaques ennemies. Tu peux que les attaquer. J'ai vu qu'il y avait un truc bouclier aussi. Peut-être que ça fait un bouclier, mais en général, il y a certains jeux où tu fais un rond, tu sais, tu fais des esquives rapides. Là, il n'y a pas possibilité de faire des esquives, c'est un petit peu dommage. Que va donner l'intérêt du jeu en termes d'histoire, bah, c'est difficile de vous le dire. Mais visuellement, encore une fois, c'est super joli. Je ne serai pas aussi sévère que ce que j'ai pu lire à droite à gauche, mais évidemment... C'est pas en 40 minutes que je vais me faire une bonne opinion. Encore une fois, le peu que vous avez vu là peut-être vous inciter à jouer. Pourquoi pas? Faites-vous votre propre opinion en prenant le jeu si vous avez la possibilité de le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Ça flotte dans le vide. Et voilà, encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, ce que je vous montre là, je le découvre en même temps que vous. C'est ma propre opinion. Okay, donc, je récapitule. Toi, tu vas te taire. À vous de vous faire la vôtre. J'ai pas la science infuse, j'ai pas forcément parole d'évangile, donc à vous évidemment de vous faire, et ça c'est très très important, chaque fois que je fais une vidéo, chaque fois que vous voyez des vidéos d'un contenu d'un créateur quel qu'il soit, n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion, ça vous donne une idée, ce que nous, en tout cas ce que moi je dis ou ce que d'autres peuvent dire, mais évidemment, ce qui plaît à moi ne vous plaira peut-être pas, et vice versa. Donc forcément c'est difficile sur une seule présentation de 40 minutes de vous faire une opinion claire, précise et tranchée. Mais encore une fois, le principe du level 1, c'est découvrir en même temps que vous le début d'un jeu. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur cette petite vidéo de Forspoken. Bah pour le moment, c'est pas le truc transcendant, mais c'est pas non plus dégueulasse. Donc voilà, pourquoi pas, j'essaierai de voir si je peux continuer sur ce contenu-là. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.